pétarque. Tiens, tiens, comme on se retrouve. Vous nous avez suivis, c'est ça? Hein? T'es parano, toi? Ce type s'était complètement paumé à Junon. On était en train de les transporter. Ils se sont agités tout à coup. Alors on a préféré les déposer. J'ai aucune idée de ce qui a bien pu les exciter à ce point-là. Peu importe. C'est pas à moi d'élucider ce genre de mystère. Alors, vous repartez? Mon partenaire et moi-même. Ouais. Okay.
encore après nous. Et tu peux être sûr qu'ils reviendront. Ouais. Dépêchons. Les autres doivent nous attendre. Et maintenant, parlons un peu du projet Mega Materia. Des pics d'énergie anormaux sont survenus simultanément dans différents réacteurs MACO à travers le monde. Après une analyse minutieuse de diverses données, nous avons conclu que la présence d'une forme de vie gigantesque devait être la cause de ce phénomène inhabituel. Oh ! Une arme en chair et en os ! C'est bien sous ce nom qu'elle figure dans de vieilles archives. Il est dit que ces créatures apparaissent lorsque la planète est en danger. Le corps de chacune d'elles renferme une énorme materia. D'ailleurs, il semblerait même qu'elles soient formées à partir de ces materia. Depuis que j'ai appris leur existence, je n'ai eu de cesse de les chercher ardemment, car je le sens. Elles recèlent en elles le mystère de la vie. Oh ! Je veux pouvoir les toucher, afin de décortiquer leur anatomie dans les moindres détails. Je veux les dévorer de mes propres yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Et grâce à ce projet, ton rêve va se réaliser. Car l'objectif premier est de nous emparer de ces matérias. C'est complètement absurde. Nous développons une technique de synthèse des méga-matérias. Et elle sera très prochainement finalisée. Il va de soi que j'en suis conscient. Cependant, l'un n'empêche pas l'autre. Je souhaite également en obtenir des naturels. Comme ça, on pourra s'en servir pour décorer le hall. Yeah ! Personnellement, je me moque de ces matérias, mais je veux le corps des armes pour mes expériences. Alors, Président, et si vous nous disiez la vérité? Le Wutai les convoite secrètement. Mais il fallait le préciser dès le début, enfin. Heidegger, il me faut des troupes. Notre élite est à votre disposition. Monsieur le Président. Qui est-il? Il y a une question à laquelle votre père n'a jamais répondu. Puis-je me permettre de vous la poser? Nous avons détruit des réacteurs MACO en accusant Avalanche, ainsi que tout le secteur 7 et son bidonville. À en croire votre père, cela faisait partie intégrante du projet Néo-Midgar. Cependant, nous n'avons pas encore découvert la légendaire Terre Promise, qui est pourtant essentielle à ce projet. Nous ignorons même... Mon père commençait à vieillir. Il devenait impatient. Il avait perdu son sang-froid. Je ne vois pas d'autre raison. Et justement, puisque nous parlons de ça, il y a une question que je voulais vous poser à tous. Pourquoi personne n'a tenté de faire entendre raison à mon père? Avec moi, la Shinra devra s'améliorer. Nous deviendrons plus grands, étendus, rapides, puissants, fiables. Pendant de longues années, vous avez tous assisté mon père. Donc j'attends énormément de vous. Démontrez-moi que je peux compter sur votre loyauté et votre raison, encore plus que lui. Oui ? Ouvre, s'il te plaît.